cette musique céleste. Bach nous offre ce joyau, la chaconne de la partita numéro 2. Elle vient de là-haut, des étoiles. Et ce n'est pas une métaphore, les trois génies qui y contribuent, y sont. Je l'écoute, cette musique, depuis 50 années bien passées, et ne m'en lasse pas, bien au contraire. Elle m'est nécessaire, en ces temps modernes, tellement minimalistes, qui voudraient ronger tout le passé. Il y a le compositeur, l'interprète, et le facteur de l'instrument, en l'occurrence, le luthier. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez, ils sont indissociables, ils fusionnent et nous donnent à entendre la perfection. De tous les instruments de l'orchestre, le violon est le plus mythique, réputé le plus difficile. Celui qui vibre maintenant est un Stradivarius, le Graal pour tous les luthiers du monde et les violonistes virtuoses. Il y a l'homme qui le réalisa, Antonio Stradivari, et le nom de l'objet, l'œuvre de sa vie qui va se muter en Stradivarius. Le nom en latin de ses maîtres est collé sur le fond au droit des ouïes. Il fera donc de même. Comment le miracle s'est-il produit? Il faut remonter les siècles, pour le moins 20. Les premiers instruments, à cordes frottées ou grattées, remontent à plusieurs siècles avant notre ère et évolueront sans cesse selon les pays et ethnies. Voyons cet historique de 2 millénaires. Terminons cet historique par le rebec et la vielle médiévale, déjà très proche du violon. Depuis ces vibrations aigrelettes, des cordes en boyau ou en soie, à la chaconne céleste, 2 millénaires vont passer. Nous voici à l'époque où la forme du violon va se figer, le milieu du XVIe siècle. Ces sons ne servent qu'à faire danser et agrémenter les dîners. Vont apparaître maintenant les premiers violons dignes de figurer dans un orchestre de cour, à cette époque, le XVIe siècle. Depuis Charles IX, les cours d'Europe envoie des émissaires et des musiciens chercher des instruments de lutherie en Italie. Tout comme l'Autriche et l'Allemagne sont le berceau de la musique, l'Italie est le berceau de la lutherie. À Brescia, à Crémone, les instruments sont vendus au prix de leur sonorité et partent dans les orchestres royaux et les ambassades. 1550, on achète surtout chez Andrea Amati, le meilleur. Je devrais dire, ils seront les meilleurs, puisque ses fils et petits-fils se succéderont dans l'atelier légendaire. Amati va surtout inventer la forme violon, telle que nous la connaissons, à partir de la vielle à archer vue précédemment. C'est l'ère de la dynastie des Amati. Des élèves prestigieux sortiront des trois générations des Amati, qui créeront ainsi, à leur tour, des dynasties de légende. Les Guarneri, dont Bartolomeo dit del Gesù, éternel rival de Stradivari, et la dynastie Stradivari, forte de 11 enfants. Antonio Stradivari, lui, n'aura de cesse de l'amener à la perfection, qui propulse les enchères des Stradivarius à des sommets inégalés. Il se mettra à son compte dès ses 26 ans, en 1670, et produira au début des violons proches de ceux de son maître. Dès le XVIIIe siècle, en 1710, la demande des instruments de lutherie explose, de par les formations de musique de chambre plus nombreuses et de par la taille des salles de concert devenues plus vastes. Stradivari va améliorer la puissance de ses violons qui vont faire sa renommée. Les Guarneri ont le son plus doux, les Amati n'existent pratiquement plus hors des musées. Stradivari sera au sommet de sa gloire en 1725-1727. Les violons de cette période sont absolument inaccessibles. Quelques années avant sa mort, il passera le flambeau à ses fils, qui colleront alors dans le fond de la caisse, comme notre père et maître nous l'a appris. Absolument incroyable pour l'époque, il partira à 93 ans en 1736. Sur plus de 1000 instruments fabriqués en 60 ans de carrière, 600 nous sont parvenus et chacun a été baptisé soit du nom de son propriétaire, soit du virtuose qui le posséda. Difficile à aborder ici, Stradivari était un grand mathématicien. Les principes philosophiques associés à la géométrie liée au nombre d'or et avec l'aide de son premier beau-père, mathématicien aussi, ils auraient ainsi découvert les mesures du violon parfait. Il faudra en plus associer à ce génie les doigts d'or de l'artisan ainsi que la qualité des bois d'épicéa plusieurs fois centenaires et de l'érable au grain le plus fin des Balkans. Après ces créateurs de génie, que deviendra la lutherie? Nous aurons, nous aussi, notre capitale française de la lutherie et de l'archetterie depuis le XVIe siècle à Mirecourt. De grandes maisons fabriquent par milliers des copies estampillées comme telles. Jean-Baptiste Vuillaume y est né au XIXe siècle. Il est fils et arrière-petit-fils de luthier. Il copia alors, lui aussi, avec talent, les maîtres de Crémone dans son atelier parisien où défilent les plus grands solistes, et n'avait de cesse de chercher les bois de lutherie partout en Europe, dans les scieries et anciens ateliers, car on sait depuis le XVIe siècle qu'il faut au bois 100 ans de coupe et de séchage pour bien sonner. Les plus grands violonistes ont eu un Vuillaume.